Viens, Saint-Esprit, viens. Mercredi 25 novembre 2020, 34e semaine du temps ordinaire. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean dans les chapitres 15, versets 1-4. Et les psaumes 98. Et bien sûr, l'Évangile selon Saint Luc dans les chapitres 21. Verset 12-19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Voilà encore comment la parole de Dieu s'accomplisse. C'est le Christ qui est en train de dire son dernier au revoir aux disciples. Mais il les parle avec une grande clarté. C'est-à-dire, ils viendront des temps difficiles. Et on peut aussi comparer ces temps de l'Évangile de cette époque-là à ces temps que nous vivons aussi pour cette pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui aussi éprouvés. Comment saisir ces temps aussi? Et voilà, c'est un temps pour rendre témoignage de ce que nous sommes, des chrétiens, c'est-à-dire hommes et femmes qui croyons en Dieu, mais n'importe dans quel Dieu, c'est un Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui s'est incarné, qui est venu nous montrer son exemple, qui nous a appris à pardonner, à agir avec une grande douceur. Et voilà
qui nous appelle aujourd'hui encore à la confiance. Et cette confiance, c'est la même de la qui nous parle le chapitre 15 de l'Apocalypse, c'est-à-dire les vainqueurs. Ils sont vaincus, ceux qui ont resté aussi fidèles au Seigneur, au Christ. Et simplement, je vous rappelle ces cantiques de l'agneau qui ressemblent aussi les cantiques de Moïse dans l'Ancien Testament. Et voilà, c'est un cantique qui est d'une grande actualité aujourd'hui aussi. Il nous appelle à mettre aussi encore notre confiance dans le Seigneur. Je vous inviterai à l'apprendre aussi par cœur. Ça nous donnera aussi une grande confiance de savoir, voilà, il est comme ça, mon Seigneur et mon Dieu. Grande et merveilleuse, tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom, qui ne rendait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Que Dieu vous bénisse, vous éclaire dans votre chemin et vous garde toujours et à jamais. Bonne journée.